Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma et on est parti pour la deuxième partie de vidéo découverte de Sonic Boom avec le grand Knuckles et magnifique début de vidéo. Attention, un deuxième point, mais oui, vous êtes vraiment gâtés aujourd'hui. Bon, il était moins beau et moins joli que le point d'avant, mais c'est pas grave. Donc alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Oh là là, mon dieu, j'ai déjà trouvé la solution, mais quel talent pour une fois que je vais vite. Voilà, donc en gros, je vous ai dit, franchement, on a vraiment beaucoup de... Enfin, en tout cas, plutôt moi. J'ai beaucoup de vidéos de prévues. De projets et de prévues pour la chaîne Oliver Flav. Fireflav, lui, il fait plus du tout de vidéos, et vous savez, je pense. Il a un peu la flemme. Maintenant, il fait que quelques vidéos, avec moi. Vidéos défis, comme Mario Kart Double Dash, hein, vous avez vu sans doute, avant. Si vous n'avez pas vu, je mettrai le lien dans la description. Bien sûr. C'est toujours plus simple comme ça. Et donc, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je ne sais pas. D'accord, mais quel esprit de déduction incroyable, hors du commun. Le grand Liver Plasma qui essaye de réfléchir là. Une nouvelle stratégie, comment avancer dans l'aventure. Il réfléchit plusieurs fois à cette méthode. Il a vraiment beaucoup de mal. Ça fait depuis une heure qu'il a mal. Qu'il a du mal. Bon, je vais remonter. Il a fait une espèce de plat. Faut peut-être réutiliser l'œil magique. Il peut pas se tourner plus que ça. Je tourne vraiment le gamepad là, je me tords les mains. Les poignets. 360 degrés. N'importe quoi. Bon. En gros, vous avez rien vu, je pense. Il y a rien de spécial ici. Non, rien de spécial. Coucou Amy. T'es petite, hein, dis-moi. Bon, pas grand chose. On va retourner. Je sais pas. C'est peut-être juste un petit bonus comme ça. Ah bah tiens, voilà, il y a un secret avec plein d'anneaux. D'ailleurs, on le voit quand même, il y a une fissure. Et c'est tout. Ouais, c'est tout. C'était juste pour se requinquer un petit coup. Ah mais je suis jamais passé par là, je suis bête. Je suis bête ou je fais exprès? Ah mais si, je suis... Ah, je comprends plus rien. Allez les gars, par là! La mine s'est effondrée, les mineurs sont pris au piège! Vite, aidez-moi à les sauver, je vous en supplie! Ok, ok, mon pote, décompresse. On est des héros, on va te filer un coup de main, t'en fais pas. On est les meilleurs du monde. Merci, merci, merci. Ok. Je pense qu'après ça... D'accord. Cutscene magnifique, hein. Au secours! Les ouvriers ont été pris au piège dans la mine! Moi, je faut que vous m'aidiez, je vous en prie, allez les sauver à cause de ça. Tiens, mais j'avais dit qu'il y avait des foreuses et tout, les ouvriers. Ah, attention, hein, on va aller sur un chantier, là, attention. Ça va être du boulot, les mecs. Très bien, Amy. C'est à nous de jouer. Allons chercher ces mineurs. Allons chercher ces mineurs. Ah bah ils ont moins de 18 ans. Oh, c'est une blague pourrie. Ils peuvent pas jouer à Far Cry. Allez, on s'y met.
Ah, une phase en 2D. Et en plus on peut choisir les deux persos. Bon, moi je vais prendre Knuckles, hein, il a la classe, Knuckles. Personnage préféré de Sonic, avec Sonic bien sûr. Je suis fan de Knuckles, moi, ouais, je sais pas. Mais... il a la beau gossitude en lui. Voilà, première apparition bien sûr de Knuckles, c'est dans Sonic the Hedgehog 3 sur Genesis, Mega Drive si vous préférez. Voilà, Sonic 1 purée, j'ai du mal. J'ai du mal avec l'anglais. Sonic 1 Knuckles. Voilà. C'est pas possible. Juste pour dire 1. Normalement, je peux grimper là. Ah oui, voilà. C'est dommage que Sonic puisse plus courir sur les murs, mais bon. J'avais bien aimé moi ce système dans Sonic Lost World. Bien sûr, le Sonic de la Saturne, hein, mais on sait tous hein, que Sega allait le faire sur la Saturne. Mais ils l'ont fait sur Wii U en fait. Ça, tu vois, Sega, 10 ans après, ils se disent « Ah, mais si, on fait plutôt sur la Wii U !» Bon, c'est quand même bizarre quand même qu'ils aient annulé la sortie de Sonic Lost World sur Saturne et que voilà. Parce que la Saturne elle a fait un gros fail. Bien sûr, c'est une console de merde. Hein. Je veux dire. Ouais. Je peux pas trop me rattraper. Elle a pas trop de points forts en fait, cette console. Juste parce qu'il n'y a pas de Sonic et que le seul Sonic qu'il y a eu c'est Sonic Racing, je crois. Attendez. Si je dis pas de conneries. Enfin, Sonic Kart quoi, en gros. Je sais pas. Sauf que. Il court. C'est. Il n'y a pas de carte, donc c'est assez bizarre. Et c'est un jeu très moyen parce qu'il n'y a que. Attendez, tenez-vous bien. Je pense qu'il n'y a que 5. 5 courses différentes. Voilà. Que 5 circuits différents. Ça fait peur quand même. Sachant que Mario Kart à côté, Super Mario Kart sur Super NES, sur une console, normalement, moins puissante, qui date de 6 ans déjà, quand la Saturn est sortie, bah, ils avaient fait 22 circuits, mais c'est n'importe quoi, sérieux. Non, 20 circuits, bien sûr. Mais sérieux, comment ils pouvaient... comment Sega pouvait tenir tête à Nintendo, franchement, c'est pas possible. Oula, oh, ce bug. Non, mais c'est quoi ça? Oh mon dieu! Non! En fait, moi j'ai eu le bêta. J'ai eu Sonic Boom bêta. Je suis le bêta testeur. Mais c'est quoi ce bug? C'est pas possible. Attends, on va recommencer le bug, les amis. Pour le fun de la chaîne. Non, j'arrive plus, bon. Ok, je crois que j'ai eu énormément de chance. Qu'est-ce que je suis un chanceux, moi? C'est incroyable, quand je capture avec mon boîtier d'acquisition, à chaque fois il se passe des bugs. Dans Beyond Good and Evil, il y avait un moment un bug où il y avait un vaisseau qui voulait plus décoller. Il était bloqué par une colline. Complètement con, ça s'est jamais arrivé quand je jouais tout seul. Ok. Puis quand je filme, comme par hasard. Et ben là, c'est pareil, si ça se trouve si je jouais tout seul, il n'y aurait pas ces bugs. Je sais pas ce que j'ai. Je sais pas. Je sais pas quand ce que j'ai comme malchance, mais bon. Surtout si t'as envie de faire une vidéo, un montage là pour faire une super pub sur Sonic Boom, t'imagines si tu tombes sur un bug. Bon. On a des ouvriers à libérer. Ah merde, je voulais pas faire ça en fait. Est-ce que je crois qu'on retourne au début? Bon, on va taper sur les roches, c'est bien. Ah, les anneaux sont très bien modélisés, hein, les rings. On sent vraiment que c'est beau quand même. C'est pour ça qu'il y a du clipping sur les rings. Je sais pas où je trouve toutes ces idées quand même. Bon, tu nous parles toi? Bon, d'accord, en fait il sert à rien. Un ouvrier un peu paumé, hein, qui ressemble pas à grand chose. On sait pas ce que c'est comme créature.
Et on voit bien que c'était un chemin destiné à Knuckles et Amy, parce qu'il y avait la plateforme pour Amy et la plateforme pour Knuckles. Enfin, le mur pour Knuckles, plutôt. Non, mais je vais à gauche. Il y avait quelque chose. Voilà. Hein, je croirais peut-être un peu dans aussi dans Castlevania, Lord of Shadow. Non. Je vais faire plein de comparaisons. Ah, parce qu'on est en 2D comme ça sur 3DS là. Castlevania. Je crois que c'était Lord of Shadow, je suis pas sûr. Lord of Shadow 1, je crois. Et le 2 est sur PC, je crois. Je ne connais pas trop en nouveau Castlevania parce que je m'en fous un peu. Personnellement. Castlevania Beat'em All. Non merci. Bon, je pense que en fait là il faut faire Amy derrière et Knuckles devant. Ah non, en fait je suis monté avec Knuckles et je crois qu'on peut pas monter avec Amy. Sauf si. Oh là là, mais incroyable. Elle m'impressionnera toujours, Amy. Ah ok, il fallait faire ça. Ah mince. Bon. Petite énigme, hein, attention. D'ailleurs, j'ai remarqué quand on est dans ces phases, eh ben, ils nous suivent pas, hein, nos potes. Ouais, c'est bon. Notre pote Lia est désactivée. Bon, d'accord, je suis déjà allé là, c'était le magnifique bug, je m'en souviens très bien, comme si c'était hier, bah, comme si c'était aujourd'hui en fait. Le bug, le magnifique bug. Bah, franchement, je suis vraiment un chanceux. Je vais vous montrer ce bug magnifique. Voilà. Alors, mes impressions, c'est un jeu buggé. Bon, là, je peux pas monter. Là, je pense que je mettrai dans la description à combien de minutes est le bug, hein, parce que non, même ceux qui regardent pas en entier la vidéo, ils peuvent voir ce bug. C'est quand même énorme. Quand même énorme. Donc alors, je vais pas raconter l'histoire du bug 2 dans Rayman, dans jeu. Dans tous les jeux en fait, j'ai eu un petit problème alors que j'ai jamais eu de problème avant quand je filmais pas. Ok. Vous savez, c'est comme quand on joue super mal alors que d'habitude on joue très bien. Quand on commente pas, on joue très bien, et quand on commente, on joue comme une merde. Mais au moins, quand je ferai le Mario Kart chrono, je jouerai toujours bien. Une time trial Mario Kart 8. Bien sûr, je vais pas en faire sur le Mario Kart Wii, puisque bien sûr, Yu-Yu s'en occupe. Ou Yu-Yu, plutôt. Je crois qu'il préfère qu'on le dise comme ça. Non, on peut pas taper ça. Le combo. Oh purée. Maintenant ça me fait penser au combo de Prince of Persia. Oh non, j'arrête. Ça en plus quand on fait, je me souviens, B, B et Y. Oh, attends, non, B, B, B et Y. Le combo. C'est mon combo préféré, là. Attendez. Je m'en souviens comme si c'était hier. Donc tu vois le prince faire voilà, cette espèce d'acrobatie, vous allez voir, attends, si j'y arrive. Voilà ça. Avec ses épées. Double tranchante. Ok. Faut faire quoi? Là il court tout le temps. Il fait du surplace. Même quand on fait rien. Quelle remarque incroyable, mais bon, j'ai plus trop grand chose à dire. Peut-être bouger ça pour pouvoir sauter ici. Ah non, saute pas. Ah non, fallait. Oh purée, mais non, fallait juste faire ça. Mais j'en ai marre. J'en ai marre d'être aussi con. C'est pas possible. C'est du gâteau. Oui, c'est du gâteau pour toi, mais pas pour moi. Oh purée. Ok, bah là ça sert pas à grand chose. Si, peut-être taper sur ce coffre. Enfin, j'ai déjà fait, peut-être.
Moi j'ai déjà fait. Je suis déjà passé par en haut, donc on va passer par en bas. Le jeu n'est vraiment pas linéaire. Mais bon, un Sonic linéaire, c'est assez rare. C'est jamais linéaire, les Sonic, quand tu fais des niveaux, quand même. Très souvent, tu trouves d'autres embranchements. Ça, c'est sympa. C'est pour ça aussi que j'aime les Sonic. Par la bande-son, la vitesse, et la plateforme aussi. Et aussi le design des personnages. Enfin, de Knuckles, Tails et Amy et Sonic, et c'est tout. Y'a plus rien après, y'a plus rien. Si, Shadow, peut-être. Oui, il est pas mal Shadow, il est Metal Sonic. Voilà. Mais bon, après, Sonic HD, là, avec tous les nouveaux persos, non. Et Sonic Hero, non, ça fait pitié. Chaotix, là, l'alligator, c'est n'importe quoi. Ils ont vraiment inventé n'importe quoi, ces gars. Ah purée, mais non, c'est pas possible, je dois faire n'importe nawak. C'est pas possible. Nous sommes déjà à 15 minutes, je fais n'importe quoi et j'ai presque pas avancé. Bon, comptez à peu près 6 heures à finir ce jeu, tandis que moi je vais mettre 20 heures. Je suis persuadé qu'il va durer 6 heures. C'est très souvent comme ça depuis un bon moment, les Sonic. Quoique peut-être que celui-là serait plus long, vu que je galère. En tout cas pour moi il serait plus long. On n'est pas timé, c'est ça qui est bizarre. Sur la version 3DS on est timé. C'est comme dans les anciens Sonic quoi. On est timé, enfin on est timé, on voit le temps qu'on a fait pour le niveau et pour après pouvoir battre son record la prochaine fois quoi. C'est très important dans les Sonic de refaire le niveau, c'est souvent intéressant. Dans celui-là, je sais pas si ça va être la même chose parce que là c'est beaucoup plus. C'est un jeu d'aventure quoi. C'est assez spécial. C'est beaucoup plus aventure et je me fais défoncer. Avec Knuckles, c'est quand même plus fort que Sonic, non? Hop là, il se fait démonter. Je te croyais plus fort que Knuckles, mais à faire toujours la même acrobatie, ça ne prend pas mille fois hein, pour moi. Même si j'adore ton attaque, hein, qui ressemble à celle du prince de Perse. Ah ok, faut faire comme Amy le fait, il faut l'attraper avec le bouton A et l'attaquer. Le problème c'est qu'il s'est enfui comme une lopette. Ouais, Ok, il m'a encore touché, c'est super. Bon, on a très souvent de la vie. Hein. Vous avez vu qu'on récupère à chaque fois un anneau quand on tue un ennemi. Et on n'en perd pas beaucoup, on doit perdre 4-5 anneaux. Merci du fond du cœur. Oh, vous êtes vraiment sans sas, les gars. Je sais pas trop comment vous rendre l'appareil, mais vous pouvez toujours prendre ce petit quelque chose. C'est quoi ces créatures? Les mineurs l'ont découvert, il y a un sacré bail. Alors, les répliques d'amélioration donne à chaque héros des pouvoirs spéciaux qui peuvent être échangés à tout moment. Les héros peuvent également utiliser les pouvoirs en même temps. Hein? Les pouvoirs en même temps? Kamikaze! Augmente les dégâts lorsque le nombre de rings est bas. Ça me fait penser à quelqu'un, ça. Le gros ours. Alors, charge rapide. Réduit le temps de chargement des attaques spéciales. Popotin d'acier, oula. Oh, je prends ça moi. On augmente l'efficacité du piétinement. Trop fort. Bouclier bulle, génère un bouclier qui te protège d'un coup lorsque tu as 0 ring. Je pense pas que ça va m'arriver donc je m'en fous un peu de ça. Double jackpot, double le bonus de jackpot que lâchent les ennemis étourdis. Ok, ça doit être les anneaux qu'on récupère. Les robots à butin lâchent 2 armes au lieu d'une. Bing bang. Oula, attends, c'est l'attaque de Vegeta ça. Bing bang attack! Des explosions retentissent lorsque tu bats des ennemis. Os de verre, des ennemis étourdis rapportent plus de bonus jackpot. Donc, d'après ce que je vois, il y a quand même pas mal de choix. Par contre, on doit en choisir qu'une, je pense. Donc, qu'est-ce que je vais prendre? Charge rapide, réduit le temps de chargement des attaques spéciales. C'est pas mal. Popotin d'acier, peut-être. Augmente les dégâts lorsque le nombre de rings est bas. Tiens.
augmente les dégâts reçus par les ennemis que tu lances avec le rayon d'énergie. Je sais pas si le rayon d'énergie, je fais pas grand chose. Bon, là, on va faire poupotin d'acier. For the fun! Veux-tu équiper cette relique d'amélioration, bien sûr? Bon, bah, on va le faire pour qu'une caisse quand même. C'est poupotin d'acier. Ah, bah, de toute façon, c'est équipé pour tout le monde, je crois. Je crois. Moi, bah, c'est équipé pour tout le monde, donc je vois pas trop à quoi ça sert. Je crois qu'on a de grandes chances de mettre la main sur un autre cristal dans le bâtiment abandonné des anciens. Mettez-vous en route et allez voir ce que vous pouvez y trouver. Le design de ce personnage est assez étrange. Franchement, ça fait pas trop Sonic. C'est très étrange. Et ils ont des grandes jambes aussi. Et des grands bras. Bon. Voilà. Je pense que... J'espère que ça va être le seul Sonic où ils seront comme ça. Parce que bon. Oula. Oula, du crafting. Du crafting. Attention. Duo, qu'est-ce que c'est? Active-le pour augmenter les dégâts lorsque les joueurs attaquent ensemble. Ah, peut-être, je sais pas. Les deux joueurs infligent un petit peu plus de dégâts s'ils attaquent un adversaire en même temps. Attends, on va pas tout de suite prendre cela. Super combo, tiens. Active-le pour recevoir un petit bonus de ring et de morceaux de robot en cas de combo élevé. Ah merde, j'en ai plus. Non, attends, pourtant il est marqué requis 0, mais ouais, je dois avoir 7500 machins. Là aussi. Et là aussi, porte-monnaie. Active-le pour augmenter le nombre maximum de rings. Pour déverrouiller cette amélioration, tu dois te connecter à la Nintendo 3DS à partir du menu principal. Attendez, je vais prendre ma 3DS et je vais allumer la démo. Non, mais sérieux. Moi, je pense pas que je vais m'acheter la version 3DS, c'est peut-être bien plus tard, je sais pas. Sonic Lost World, par exemple, je ne l'ai pas sur 3DS. Je l'ai que sur Wii U. Bon, ce genre de jeu, vaut mieux acheter la version Wii U qui est toujours un peu mieux, quoi. Graphiquement, quoi. Plus impressionnant. Et peut-être un meilleur gameplay, parce que j'ai l'impression qu'on joue que en 2D dans Sonic Boom sur 3DS. Pourquoi est-ce que vous m'adressez la parole? Je vous ai pas sonné, que je sache. Est-ce que je vous ai appelé? Non. Est-ce que je vous ai fait signe de vous approcher? Non. J'essaie simplement de préparer un bon repas pour ces pauvres ouvriers affamés. Ok. Donc nous avons devant nous Pat, de chez Disney. C'est reconverti en... Ah bah, en cuisinier, hein, en chef... cuisinier et qui maintenant sert des ouvriers. Il sert de la bouillie pour ouvriers. C'est bien. C'est bien de revoir notre ami Pat. On dirait qu'il faut qu'il monte ses tentes. Ah, attends, Sonic m'a dit un truc intéressant. Est-ce que je peux monter les pentes? Est-ce qu'on peut utiliser la technique de Knuckles? Attendez, voyons l'animation. Incroyable. Époustouflant. Quand on tourne assez vite, ça fait bizarre. Bon, je sais pas ce qu'il faut faire. Franchement, on est souvent paumé dans le jeu. On n'a pas de... On n'a pas d'objectifs principaux. Je ne comprends pas. The power of gamer! Oula, les bugs d'ombre aussi. Bon. Moi, je m'attendais vraiment à mieux graphiquement. Et aussi, regardez le popping quand même. Ça se voit quoi. Quand tu joues à Mario Kart 8 avant, il n'y a jamais de popping, il n'y a jamais de clipping, voilà. La distance d'affichage est incroyable. Et là, c'est le contraire quoi. C'est ça que je trouve bizarre. On est quand même sur Wii U, hein. On n'est pas sur Wii. Enfin bon, je me dis en même temps que le jeu, ouais, bon,
faut quand même voir que c'est de l'HD, parce que bon, ça m'étonnerait que la Wii puisse se faire tourner quand même. Enfin, on voit que bien que les personnages sont quand même bien modélisés. Et bon, voilà. Mais quand même des effets bien sympas. Sans plus, mais ça va. Bon, je vais sauter dans l'eau pour le fun. Non. Peut-être péter la roche, là. Ah, le popping d'anneau, mais c'est le truc incroyable, ça. Le popping d'anneau. Bah, il y aura du clipping avec les anneaux, maintenant. Donc maintenant, les anneaux, on peut les voir, mais que à 20 mètres. Hein. On va jamais savoir s'il y a de la vie. On va savoir que en se rapprochant bien à côté. Bon, comment paraît ce perso? Je combats une fougueuse épidémie de grippe en ce moment. Je serais ravi de faire un brin de Cosette, mais il va falloir remettre ça à plus tard. Okay. Je comprends pas ce perso. Il a une voix très étrange. Ah! Ah! Énigme déverrouillée, énigme déverrouillée! Et bien sûr, temps de chargement est magnifique. Un petit bonus, mais ça m'aide pas trop. Ah, j'ai vu qu'il y a 6 sur 10, je crois, de coffre. C'est-à-dire quand même qu'on est dans un niveau, là. C'est vraiment spécial, quand même. Je m'attendais à faire comme sur 3DS, quoi, comme la démo, quoi. Comme montrer la démo, on sélectionne nos niveaux. Il n'y a pas de world map. Ça se trouve, c'est ça, la world map. Je sais pas, j'en sais rien. Je suis très calme, très posé. Bon bah là c'était pour sauver les ouvriers. Donc ça sert plus à grand chose. Sprint, sprint. On dirait qu'il se gamelle. Je sais pas s'il y a un secret par là. Bon, ça me semble bizarre quand même, un trou comme ça. Alors, on peut pas grimper plus haut. Bon, on revient ici, hein, au début de la vidéo. Totalement logique. Ouais, franchement, faut faire quoi? Ah, ce Sonic, franchement, m'impressionne quand même. On est beaucoup plus... Enfin, beaucoup moins insisté. Et c'est beaucoup plus exploration. Quand même, c'était pas du tout exploration avant. Donc, ça m'impressionne quand même. Je savais pas qu'il allait être aussi original. Franchement. On va dire que je suis un peu bluffé. Ça va être comme pour le prochain Zelda qui sera open world. Il y aura des changements. Heureusement, j'ai envie de dire, des changements dans des licences très connues. Il y en faut, hein. Bien sûr, les Mario sont toujours pareils. Mais ils vont peut-être changer un jour. New Super Mario Bros. Wii U Plus. Ok, ils ont pas changé. Ah, c'est rouge. Peut-être que c'est Amy qui pourra ouvrir ça, je sais pas. Il y a un cœur même. Bon. Ok, je comprends pas. Ah, attendez, ou peut-être... Ah, ils ont d'énergie. D'accord. Knuckles. Rouge, rose, voilà. Knuckles ou Amy, mais bon. Ok, je suis complètement bloqué. Bon, je pense que ça va être la dernière partie de vidéo découverte, parce que si je suis bloqué à chaque fois comme ça, ça va pas le faire. Sinon, je pense que pour ce jeu-là, je pense que je ferai, pour le vidéo test, je ferai un vidéo test un peu plus préparé que Sonic Lost World.
C'est-à-dire que je ferai, je parlerai pas en direct, je ferai sans doute un montage. Voilà. Comme ce que j'ai fait pour Rayman 1, non, Rayman 3 et pour Donkey Kong Country Tropical Freeze. Parce que j'ai bien aimé ce concept. Assez sympa, c'est plus simple de raconter plus de choses sur le jeu. D'ailleurs, je vais faire une prochaine vidéo là-dessus. Enfin, commenter comme ça. Ce sera sur Medal of Honor Bataille du Pacifique. Attention! Et c'est pas une surprise. Je vous dis direct le jeu. En fait, je fais la même chose depuis tout à l'heure. En fait, j'ai l'impression de refaire la même vidéo. Je sais, ça peut paraître bizarre. Mais bon, j'ai pas trop envie d'arrêter, parce que bon, l'autre vidéo, elle a duré une heure. Il faudrait qu'elle dure à peu près une heure également, celle-là. Je sais pas, parce qu'on est à 30 minutes, mais je me dis, peut-être arrêter, mais... J'ai envie de continuer. Par contre, je suis assez déçu, on n'a pas trop vu Dr. Eggman. Je suis un peu déçu. Bon. Pas trop en même temps, parce que je suis sûr qu'on va le revoir. Notre pote. Enfin, j'espère. On va revoir d'ailleurs Shadow quand même, ça c'est pas rien. Shadow quoi. Le retour de Shadow. C'est pas rien du tout ça. Ça fait un moment qu'on le voyait plus, hein, notre pote Shadow. Il était là, mais que dans Sonic Racing, hein, franchement. Sinon, Sonic Lost World il est pas là. Sonic, qu'est-ce qu'il y a eu avant? Sonic Generation. Si, dans Sonic Generation il était là, mais oh. C'est différentes générations. Différentes générations. Ça fait moins classe, hein, en français. Ils sont en train de déterrer un... Ah, j'ai pas compris. Coût 8000. Donc je peux pas payer. Trop beau géant. J'aimerais aller le voir de plus près, mais l'échafaudage n'est pas encore terminé. Peut-être qu'on pourrait aller leur filer un petit coup de main. Ah, je rêve où il a fait de la corde à sauter avec sa queue. Ok. Très bizarre. Ok. Mais là, vous voyez ces portes-là, je comprends pas. Parce que là, ça doit être Tails normalement, puisque c'est jaune. Non, je sais pas. Je comprends pas. Bon. Coup 4000, c'est pourquoi là ? Maintenant, ça a bien meilleure allure. Je suis bien content qu'on les ait aidés. Ok, en fait, on grandit la zone grâce à notre... grâce à ce qu'on ramasse, là. Je sais pas ce que c'est, mais ce qu'on ramasse, des trucs qui remplacent les orbes rouges. Je sais pas comment on appelle ça. Une espèce de... on va dire des gadgets. Comment ils appellent ça, là, dans Alien Isolation, comment ils appellent ça déjà? Des bricoles, quoi. Qu'on ramasse. Bon, c'est bien, on a fait construire des toiles de tente, c'est bien. Mais ça servit à quoi? À rendre le jeu plus beau? Ouh, attention, attaque de Tails! Oh là 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 là, il fonce comme un taureau. Ok. Enfin, c'est bien de pouvoir voler comme ça. Pouvoir planer. Bon. Si ça se trouve, c'est un passage super simple, encore une fois. Et moi, comme par hasard, je galère. Comment ça se fait que j'y arrive pas? Peut-être là. Ah non, ça, c'est ce qu'on a vu avant. Oh purée, 50 requis. Purée, faut en avoir, hein, des bricoles.
10 000 et puis l'autre c'était 50, c'est ça? Ok. 50 couronnes bleues. Sachant que je trouve qu'on n'en trouve pas beaucoup des couronnes bleues. Ah non, peut-être que Pat il a fait du pâté, je sais pas. Diantre, je n'ai pas le temps de bavasser avec vous maintenant. J'attends la livraison d'un ingrédient culinaire tellement savoureux que ce sera un véritable feu d'artifice dans votre palais. Du tofu! Ok. Faites un peu un câble, lui. Grâce à venir! Le feu d'artifice! Magnifique feu d'artifice! Bon. J'ai plus rien à dire, c'est pour ça. Alors en fait, on va plus vite comme ça. Ok, bon, j'ai envie d'arrêter là. Je suis paumé et j'ai. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire. On va sur la hutte. Enfin, pas la hutte, la toile de temple, mais. Bon, là, faut acheter pour 8000. Le problème, c'est que j'en ai pas du tout assez. Et comment en trouver? Et bien, je vais vous dire un truc. J'en sais rien. Bon. Voilà un rebondisseur. Ah, aussi, je vous ai parlé. Enfin. Aussi, je voulais vous parler aussi de quelques défis qu'on fera peut-être avec Fireflame. Le problème, c'est qu'on a un problème technique. C'est que le boîtier d'acquisition ne marche pas avec ce jeu-ci. C'est les Metal Slug. Je sais pas pourquoi, c'est des jeux que j'ai achetés sur la Wii. Que j'ai acheté sur la Virtual Console de la Wii. Et je sais pas pourquoi le boîtier d'acquisition ne veut pas filmer. J'en sais rien, faut peut-être faire une petite. Changer la configuration, je sais pas. J'en sais rien, on verra ça. On trouvera bien une solution. Et s'il n'y a pas de solution, bien sûr, vous aurez la méthode Clodo. Filmer avec une patate. Voilà, caméra. Bon. Ça nous manque, hein, cette caméra magnifique. Bon, vous en avez encore. Quelques vidéos filmées avec une caméra quand même. Les rétro-tests sur NES, bien sûr. Ah purée, mais je suis paumé. J'en ai marre. Mais on peut pas voir nos objectifs, sérieusement. Attends, publiez un message Millers. Je suis paumé. On va pas mettre ça. Ouais, si tu veux, publiez un message sur Millers. Oula. Non, on va faire B. J'allais mettre je suis paumé, mais là j'ai pas le courage. Donc réplique relique d'amélioration. Tiens. Ah, on n'a pas toutes les améliorations d'avant. Donc on pouvait choisir avant. Donc je pense franchement c'est des trucs qu'on débloque en faisant des quêtes annexes peut-être. Options, audio, miverse. Non, il n'y a rien, il n'y a pas de objectif à collectionner. Non, pourquoi je dis objectif? Objet. Bon bah. Je suis tellement fou des objectifs que j'ai cru voir objectif. Et quand on est paumé comme ça, voilà. J'aurais vraiment eu envie de faire plus de temps, mais je crois que je vais vraiment devoir terminer là-dessus. Avec Pat. Est-ce que vous m'adressez la parole? Je ne vous ai pas sonné, que je sache. Est-ce que je vous ai appelé? Non. Est-ce que bon. Vous avez redit la même chose, hein. C'est un peu répétitif. On peut plus parler à notre ami le vieux. Le vieux Picsou. On peut le passer au travers si on veut. C'est tellement joli à voir. Ou alors revenir par là, je crois qu'il y avait un passage. Bah si, ce passage avec la... Ah non, je crois qu'on est revenu en fait par là. On était déjà monté là-haut, on était revenu après. Ça a l'air quand même assez immense, hein, quand on le voit comme ça.
Bon là franchement je suis vraiment paumé hein. Purée ça doit faire 10 minutes, un quart d'heure. Oh purée. Je suis désolé. Ouais. Je me débloquerai tout seul, je pense. Franchement, parce que là je ne trouve pas, je ne trouve pas. On veut même pas aller dans l'eau. Mais en même temps j'ai envie de continuer, mais le problème c'est qu'on est complètement bloqué quoi. Mais j'ai pas envie d'aller sur internet. Et même encore, il vient juste de sortir, donc ça m'étonnerait que les gens ils aient déjà des solus. J'imagine, à la sortie du jeu. Ah oui, en fait, vous devez faire ça pour finir le jeu. Donc quand vous finissez le jeu, vous gagnez. Le mec qui a fini le jeu en 24 heures. C'est un psychopathe. Ah mais il y en a comme ça dans Mario Kart. C'est des fous, hein. Là, ils ont eu Mario Kart à sa sortie et ils l'ont fait de suite, hein. En entier et tout, en solo, pour pouvoir après jouer en ligne. C'est un truc de fou. C'est des psychopathes dans leur vie. Ok, bon, je suis à coup humide. Il y en a même un qui a 9999 points. D'accord. Je suis à 3500, donc s'il te plaît, arrête de me narguer. Faire une 9999 points, c'est pas possible. Et puis j'avais vu ça, ça fait déjà un mois. Il doit être encore plus normalement, mais bon, vu qu'on peut pas aller plus haut. Oh là là. En fait, je sors n'importe quoi, là. Je sais pas de quoi je parle. On parle de multi de Mario Kart 8 dans Sonic Boom. Mais bon, franchement, c'est que je suis bloqué. Donc voilà, pour vous faire patienter, je sais pas, je parle d'autre chose. Et peut-être aller en haut. Pas retourner en arrière. C'est toujours sympathique de retourner en arrière. Pour montrer tout ce qu'on a fait dans la première partie. Ok, la première partie était un peu plus intéressante. Hein. Ah, quoique j'ai rien dit. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sprint? Voilà, enfin on s'est débloqué je crois. Parce que ça ne dit rien ici. On va peut-être avoir une cutscene ou quelque chose. L'eau est assez bien faite. Hein. Un peu huileuse, c'est assez bien fait. Mais bon. L'eau est très bien faite depuis la HD quand même. Alors montons. Ok, c'est un peu haut pour moi je pense. Ouais. Ennemi, à toi de jouer. Ok, je saute pas encore assez haut. On voit quand même des espèces de sapins quand c'est pas du tout Noël. Mais bon, Noël se rapproche. Hey, vous là-bas, est-ce que je pourrais vous parler un instant? Bonjour, j'espère que vous passez une meilleure journée que la mienne. J'ai le moral à zéro. Ça vous dérangerait pas trop que je vous parle de mes tracas? Ok. J'ai besoin de votre aide. Il faut que je règle un problème qui hante ma famille depuis des lustres. Vous voyez, il y a des milliers d'années de cela, nous avons essayé d'améliorer notre engrais. Mais nous avons commis une erreur. Et toutes nos récoltes se sont transformées en mauvaises herbes qui détruisent les plantes tout autour. Je sais bien que c'est impossible de remonter le temps. Mais si vous savez comment l'Iric ou les anciens faisaient pour lever les malédictions, je vous en serai éternellement reconnaissant. Vous voudriez bien y réfléchir? Je vais y réfléchir, papy. La technologie des anciens peut nous permettre de voyager dans le temps, mais on va quand même essayer de vous aider. Toute l'aide que vous pourrez m'apporter sera la bienvenue. J'espère que vous trouverez quelque chose dans votre futur qui permettra de sauver mon passé. Ok, oui. Je vais y réfléchir, papy. Papy Franklin. D'accord. Et donc? J'ai pas fait gaffe en fait ce qu'il y a. On dirait que vous n'avez pas de chance, vous non plus. Vous n'avez pas rempli votre mission. Est-ce que vous voulez bien essayer encore un peu? Il me semble que vous avez encore du pain sur la planche. J'espère de tout cœur que vous pourrez régler mon problème.
Mais on a du pain sur la planche. On est paumé. On sait pas où aller. On n'a rien à faire. Encore un objet qu'on va pouvoir retaper. Sauf que celui-là, je l'aime bien. Je suis toujours considéré comme une vraie boule de démolition. Moi, j'aurais plutôt dit que t'étais un boulet. Est-ce que tu peux être marrant? Petite blague. Allez, sprint, Sonic. Ouais. Je t'ai connu plus rapide. Bon. On va détruire ces rochers. Tiens, bah Sonic a assez de force pour détruire les rochers. Je croyais qu'avec Knuckles qu'il pouvait le faire, mais bon. Oh putain, il se fail. Bon, c'est juste pour ramasser des anneaux, quoi. Mais j'ai vu qu'on pouvait avoir plus de 100 anneaux. Donc il y a une amélioration qui nous permet d'avoir, ouais, bah, d'augmenter notre stock d'anneaux. Intéressant, hein, d'avoir en gros une plus grande barre de vie. Parce que c'est ça, là, la barre de vie, là. Ouais, c'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Ok. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça ressemble à rien. Ok, nous avons fait une découverte. La découverte de la rose blanche. Bon, je ne sais pas ce que c'est. Ça se trouve c'est un bonus, mais bon. Je sais pas, on passe dessus, ça fait rien. Et là, comme par hasard... En fait, je sais pas ce que c'est, ces trucs bleus. Ces espèces de portails. Peut-être que ça servira à nous téléporter à d'autres portails, après, plus tard. Je sais pas, c'est une idée. Voilà un rebondisseur. Ok, mais là, je suis paumé, hein. Oh, non. Je parle pas beaucoup, désolé. Mais franchement là c'est la catastrophe quoi. On s'est un peu débloqué mais on continue à être bloqué encore une fois après. Peu de temps après, je dirais même 6 minutes après. Ah. 4000, bah tiens on va construire ça, je sais pas. Voilà, défonçons ce mur. Je ne m'en lasserai jamais. Bah là, c'est un démolisseur ultime. Non mais il fallait démolir le mur pour pouvoir avancer. On était obligé de payer. On ne voit pas comment aller en haut là, voir la couronne. Peut-être avec le saut ultime d'Amy. Ah c'est peut-être ça, mais quel esprit de déduction. Non c'est pas ça. Je suis déçu de mon idée. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On doit appuyer sur A. Ah, on peut déplacer ce cube? Non? Si, non. Je sais pas à quoi ça sert. Ah si, il y a un truc qui bouge. Ah, mais... Ok. Comment on peut le savoir tout de suite comme ça si on voit pas à moitié de traviole comme j'ai fait? Je sais pas. Bon, ça va, on avance. On découvre des choses. Ça me botte bien ce genre de zone. Pas trop de difficultés et une récompense à la clé. Ouais bon, récompense, c'est encore des anneaux et j'en ai toujours 100 depuis tout à l'heure. En gros ça me sert à rien. Donc en gros c'était juste encore un bonus. Mais j'y crois pas. Et sérieusement, je suis paumé dans un Sonic. Je l'ai dit plein de fois, mais c'est assez ouf. J'imagine pas dans le prochain Zelda, là. J'ai peur. Oh purée. Bon bah, franchement, je m'arrêterai quand on sera à une heure à peu près. Parce que bon, je pense pas que ce soit palpitant pour vous. Ok, ça sert à rien. Ah, on peut aller sur les rails? Non, on peut pas? On peut pas, je passe au travers? Je sais pas, hein.
C'est pas très réaliste. Bon. Voilà. Je sais pas si je vous ferai un bon aperçu de ce Sonic Boom. Pour l'instant, ça me plaît. Ah! Finalement, j'ai envie de continuer. On fera peut-être une troisième partie de vidéo découverte. Ça va être un truc de fou, là. Ah non, ça va être un let's play, presque. Le monde à côté, vidéo découverte, ouais, la partie 3, ça va être vraiment la dernière. Mais je crois bien qu'on peut trouver le moyen de l'ouvrir. Voyons voir. Amy et Tails, il va falloir que vous me filiez un coup de main. Knuckles, eh bien, t'as qu'à te reposer 5 minutes. Trop fort, la phrase. Bon. Au moins, vous avez pas le... Au moins, vous avez quelque chose de pas mal. Après ces 20 minutes de chiantise, quel mot magnifique. Voilà, regardez-moi cette souplesse, regardez-moi, ok elle est tombée, cet équilibre j'allais dire. Amy équilibriste. Oh purée, elle fait le même acrobatie que dans Prince of Persia, mais c'est magnifique. Ouais, c'est très difficile. Très très difficile. Je suis tombé deux fois quand même. Ou trois, bon. On va prendre Sonic. Alors ça doit être Tails. On va d'abord prendre Tails. Ah voilà. Comme dans la démo, il faut faire ça à chaque fois quand il y a des trucs. Quand il y a des ventilos comme ça, bah c'est repris de Sonic Heroes. Il y avait aussi ça. Bah, je suis un grand connaisseur de Sonic, attention. Ça devrait être bon. Knuckles est en train de se reposer, hein, regardez. Ah oui, il regarde le magnifique bois. C'est beau. C'est bon pour moi. Ah ok, le spin dash c'est le bouton X. Okay. Pas besoin de faire R avant. Ok. Il faut vraiment des façons bizarres moi des fois. Ah, petit spin dash. Ah, petit temps de chargement. Bon, moi je trouve ça plutôt sympa, le jeu là, Sonic Boom. Vraiment différent des autres Sonic quand même. J'allais me dire que il ressemble un peu au Beat'em All Shadow the Hedgehog, mais finalement, non, il ressemble pas du tout à ça. C'est beaucoup plus typé aventure. J'ai cru qu'on allait avoir quand même pas mal de phases Beat'em All, mais en fait on en a presque jamais. D'un côté, c'est vraiment original pour le coup. Je crois que ces gars, ils ont quand même misé pas mal pour ce jeu-là. Oh purée, ils ont. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est pas grave, j'ai failli tomber. Moi, ça a l'air d'être une phase de vitesse, attention. Bon, j'ai pas grand-chose à faire. C'est magique! Ah, quand même, c'est assez joli. Bon. On peut le dire, esthétiquement, ça va. Esthétiquement, c'est pas mal. Bon, je me fais toucher. J'aime la vitesse! Personne peut arrêter Sonic. Ouais, mais quand ça va vite, purée, ça rame. C'est ouf. On est dans Sonic, là. On n'est pas dans. Dans Assassin's Creed. Je fais pas grand chose hein, pour tout vous dire. Attention. Ok. Personne peut arrêter Sonic. On y est presque. Bon travail. Ça, c'est ce que j'appelle de la vitesse. Ouais. Ça, c'est ce que j'appelle du ramage. Oh purée. Hop, moi. Je fais que de le dire, mais je suis quand même déçu de la fluidité. Ouais. Bon, ça reste un bon jeu. Hein. Je suis qu'à 2 heures de jeu là, mais bon, mais c'est que du bon quand même. Vraiment différent des autres Sonic, mais bah, ça me plaît quand même. Cet endroit a été abandonné il y a des lustres. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ici? Les runes n'indiquent rien de particulier.
Ce ne sont pas de vrais esprits. Hey, ces dalles s'allument quand on pose le pied dessus. Je crois qu'elles indiquent le chemin qu'on doit suivre. Waouh, mais comment? Putain, mais des fois on tombe sur des énigmes super simples comme ça et des fois on est complètement paumé. On met 3 plombes à trouver la sortie, sérieux. C'est énorme. J'ai l'impression que le jeu là il se fout de notre gueule. Je crois que ça va pas être aussi simple. Ok les copains, c'est pas le moment de se planter. Ok, je vais par là, faut faire gaffe aux serpents. Alors comme ça, toi aussi tu veux te battre? Bon, pendant que Knuckles se défoule, parce que depuis 5 minutes il s'est reposé avant, là, voilà, je déverrouille cette énigme incroyable, très difficile à résoudre. Ah oui, d'accord, maintenant faut prendre ces trucs bleus, ok. J'ai compris le principe. Ok, je suis tombé. Ouais, je pense que ce serait intéressant de faire une troisième vidéo découverte, mais franchement, ça serait la dernière. Parce que souvent, quand je ferai des vidéos direct live, des direct live comme ça, je pense que ça serait vraiment deux vidéos, ou peut-être une vidéo au pire. Hein. Deux vidéos très souvent. Mais là, je veux faire une troisième vidéo parce que ça m'intéresse. Voilà. Ça m'intéresse de continuer. Et là, je vois qu'il reste que 5 minutes. Donc voilà. On va prendre Knuckles parce qu'il a la classe. Il a la carrure d'un beau gosse. La beau gossitude est en lui. La virilité. Et par contre la vitesse n'est pas en l'air. Mais ça c'est autre chose. Alors c'était... Bon là faut prendre Amy. Super, Amy est tout en bas, ça me fait plaisir. Allons vers le haut, ça devrait être intéressant. Bah oui, pourquoi t'es pas allé tout de suite vers le haut alors? Je comprends pas. Ces phrases un peu inutiles. Ah bah j'avais pas vu, il y avait un passage avec Knuckles, oh purée. Faut que je me fasse à la maniabilité un peu aussi. Bon, pour tout vous dire, j'ai quand même une petite préférence pour Sonic Lost World, mais c'est complètement différent quand même. Ce Sonic Boom, ça reste quand même intéressant. Mais c'est vrai que si vous êtes vraiment un fan de Sonic, ça doit vous faire drôle quoi. Vous qui regardez la vidéo. Je sais pas, vous avez peut-être déjà le jeu aussi, hein. Précommandé, tout ça. Attention. Hein. On va taper ça. Ah, les musiques. Avant, c'était vraiment le point fort des Sonic. Là, franchement, c'est plus des musiques type musique d'ambiance, quoi. Un peu fantastique, j'ai l'impression, c'est assez bizarre. Mais bon. On peut les tirer pour les mettre à leur place. Oh là, énigme de fou. Alors attention là, là je réfléchis comme un gros porc. Fallait juste faire ça. D'accord. Ok, des fois je tombe vraiment sur des énigmes simples. Par contre, on s'y retrouve pas facilement dans ce jeu. Je vais me dire, je vais me perdre autant de fois que. Que dans un Metroid, c'est pas possible. On peut utiliser ces tuyaux. Putain, Knuckles était avec moi en fait. En même temps, c'est le seul qui pouvait monter avec Amy. Tout va bien, les amis? On dirait qu'ils viennent de passer à travers une trappe. Nous, on est coincés ici. On va continuer d'avancer, j'espère qu'on pourra vous retrouver un peu plus loin. Mais c'est bizarre, quand on voit les animations, c'est plutôt fluide dans les cinématiques et là d'un coup, ça, le framerate, il baisse à fond. Non, je crois vraiment que c'est parce que je suis en 720p, c'est sans doute ça. La télé n'aime pas trop ça. C'est pas assez net pour elle. Bon, on va prendre Knuckles. Ouais. Mais je pense que ouais, bah, pour le prochain Zelda, j'aurai sans doute un nouveau boîtier d'acquisition. Plus performant. Celui-là, il me servirait plutôt pour les anciens jeux sur console 128 bits, hein, je pense. Ouais, mais comme ça, j'aurais pas à déplacer tout le temps mon boîtier d'acquisition. À le débrancher à chaque fois, parce que... Ma Wii U est dans une autre salle. Attention. Génial.
là, faut prendre ça. Puis surtout, je me suis rendu compte quand même que le 720p... Ouais. Ça mérite mieux sur Wii U. On va faire un peu d'exercice. Et franchement, bah... J'ai vu un boîtier d'acquisition à seulement 130€. Il coûte seulement 30€ de plus. Et devinez quoi ? C'est le Game Capture HD2 ! Le Avermedia Game Capture HD2, comme par hasard. Celui que j'ai actuellement, c'est le 1. Bah, je vais avoir le 2. Il commence à pivoter. Donc franchement, je pense que ça va pas tarder. Je vais peut-être m'acheter un nouveau boîtier d'acquisition. Ça va pas tarder. Si tu veux, tu peux t'en Sinon, pour le nouveau PC, ça va tarder. Bien sûr, c'est pas la même chose. Bon, j'attendrai 10 ans. Comme pour l'ancien PC qui avait 9 ans. Normal. Bon, moi je suis pas non plus un PCiste. Non, non, on va défoncer ces créatures. Mais voilà, ouais, ce sera peut-être intéressant. D'acheter un nouveau boîtier d'acquisition, surtout pour le prochain Zelda qui vaut vraiment le coup d'œil, je pense. Ça sera un très beau jeu de la Wii U. Et ce sera vraiment dommage de montrer ça en 720p. Voilà. Vraiment dommage. Et si d'un côté j'aurais uploadé deux fois plus. Enfin, l'upload sera deux fois plus long en 1080, mais c'est pas grave. Ce sera plus beau. Et ce sera mieux à regarder pour vous. Moi, ça me fait plaisir, voilà, encore une fois, de faire purée. Des vidéos de bonne qualité. Parce que bon, nos premières vidéos, regardez-les si vous avez pas vu, mais. C'est atroce. Caméra 3DS. Attention les yeux. Il 240p. C'est beau. Impossible de passer par là. Il nous reste plus qu'à monter. Ok. Ah purée, oui. Ah et en fait j'ai pas dit mais... je pense que je l'ai pas dit dans une vidéo mais juste dans la description d'une vidéo. Mais le 60 FPS est apparu. C'est incroyable. Enfin si, je l'ai dit dans Mario Kart 8. Si. Et voilà, je leur dis. Hein. Haut et fort. Enfin on a du 60 FPS sur YouTube. Et c'est plus plaisant. 60 images par seconde. Sauf que là ça sert pas à grand chose pour ce jeu là. Je mettrai quand même en 60 images par seconde mais bon... Ça changera pas grand chose. Écrasement au sol. Des serpents? Sérieux? J'ai horreur des serpents. Ok. Ok, ça fait pas trop. Ça fait pas trop grosse brute là, ça fait chochotte. Hein. Purée. Knuckles, ça, tu me fais honte. Je te croyais. Je te croyais plus viril, plus mature, plus sérieux que Sonic. Je comprends pas là, t'étais mieux que ça au début. Sur Dreamcast là, t'avais la classe. Avec des musiques de rap et tout là. Et là, je sais pas. Des fois t'as vraiment des répliques, ça fait peur. Oh purée, on est déjà 1h03, j'ai pas fait gaffe autant. La prochaine vidéo, je le ferai pas directement après, parce que bien sûr, là, les deux vidéos, là, je les ai faites tout de suite, hein, en direct, donc ça fait 2h que je suis dessus. Ça fait un peu beaucoup de temps. C'est pour ça que je commence à avoir un peu soif. On parle beaucoup. Mais ça m'intéresse franchement de continuer avec vous là. En plus on n'est pas bloqué, on s'est débloqué, c'est incroyable. Mais par contre on a que 46 anneaux donc ça c'est... On va dire que c'est moins bien. Regarde-moi ce point. D'accord, c'était ridicule. La force du point est en moi, purée. Je me fais défoncer. D'accord. C, ça veut dire la note. Ah oui, c'est vrai que j'ai mal joué. Non, je regarde ces combos.
Bon. Après cet ascenseur, je pense qu'on va se quitter. Je vais pouvoir sauvegarder, je pense, parce que j'ai vu qu'on pouvait sauvegarder et quitter dans le menu. On a vu ça tous ensemble. Donc voilà, et puis voilà, c'est vraiment un jeu, je pense. Bon, vous allez peut-être attendre, puisque 50 euros, c'est peut-être, on va dire. J'ai peut-être fait un peu fort là. Parce que oui, je l'ai acheté à 50 euros. En même temps, il vient tout juste de sortir. Vous pouvez peut-être attendre et pour qu'il baisse un peu. Souvent, les Sonic, ça baisse assez rapidement. Si vous attendez, je sais pas moi, quelques mois, au bout d'un moment, il sera 30 euros. Hein. Ce sera tranquille. Mais bon, si par contre vous voulez le télécharger sur votre Wii U, eh bien le prix ne descend pas. Il descend jamais quand on l'achète sur le Nintendo eShop. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Ils sont jamais à jour. Bon, laisse tomber. Hein. Franchement, je pense qu'il y en a presque pas qui achètent sur Nintendo eShop. Hein. Sauf pour la Virtual Console pour les vieux jeux. Parce que le prix 5 euros ça, mais sinon pour des jeux récents c'est 60 euros et tu restes à 60 euros tout le temps. Même si je joue à 12 ans, tu sais. C'est n'importe quoi. Mais qu'est-ce que j'ai pris là? Qu'est-ce que c'est que ça? What? Nous avons une arme? Ah, je peux plus sauter là. Faut que je la pose et. Pour garder des balles. J'ai plus qu'une balle. Ça, c'est bizarre, on peut avoir une arme. Tiens. Donc. C'est fini? C'est fini? Je sais pas trop ce que c'était, mais j'ai pas vraiment envie de me retaper ça. Ok. Je ne veux plus jamais voir un seul robot jusqu'à la fin de ma. Il faut qu'on trouve le moyen. Ils sont vraiment amusés à faire des répliques assez bizarres quand même. Chez Sega. Ok. Je te parie qu'il va falloir passer par là. Bon, on va se faire ça pour gagner de la vie. C'est vraiment de l'exploration non-stop. Bon. C'est pas du tout pareil que Sonic Boom sur 3DS. Ça fait un peu exploration aussi, mais beaucoup moins quand même. C'est plus sectionné en niveau, quoi. Ok, et l'autre elle a rien fait, je parie. Allez, d'accord. Ok. Tout à fait normal. Oh purée, ce fail! Oh là là, mais comment je me suis rattrapé? C'est n'importe quoi. On va monter si j'y arrive. Et voilà. Parfait, parfait. Le champ magnétique doit être désactivé. Allons jeter un œil. Allons jeter un coup d'œil. Bon bah ça me plaît, on continue hein. C'est sûr que ça ira. Ça me plaît. Continue d'avancer et fais en sorte de pas trébucher. Bon, on a envie de savoir la suite. Quel sera le prochain level design, attention, de ce jeu. Je pense que ce sera un bon jeu. Je pense. Franchement, Sega en ce moment, ils font des meilleurs Sonic depuis Sonic Generation. Là, enfin non, Sonic Colors déjà. Sonic Colors. Et bah c'est bien quoi. Bon, c'est pas non plus des jeux exceptionnels, mais c'est des bons jeux. La texture de feu. Bon après faut faire quoi là? Faut monter ici, faut. Ah on peut vraiment grimper partout enfin. C'est pas scripté quoi, c'est ça que je veux dire. Ouais. Ça fait plaisir. Ok, donc de l'autre côté il y a peut-être un interrupteur. Ah bah oui, comme par hasard. Et là il va y avoir un interrupteur ici. Et oui, mais quel talent. Et là il va y avoir un interrupteur en haut cette fois-ci. Ah voilà, il faut activer des trucs. Voilà, mais qu'est-ce que c'est que ce level design? Sérieusement, je comprends pas trop. Je comprends pas trop le délire. Là, c'est copié de Mario. On est dans des tuyaux.
Les animations, par contre, sont vraiment bien faites. Essayons ces tubes encore une fois. Ok. Nous sommes encore bloqués. Ah non, il y a un coffre là. Un coffre. Je sais pas si ça va trop vous intéresser, genre les vidéos découvertes. C'est assez calme, on va dire. Et bon, c'est beaucoup plus c'est vraiment différent des vidéos défis de Donkey Kong Country par exemple. Tropical Freeze. Vous devez regarder parce que c'est épique. Ok, mais là je dois faire quoi là? Il y a des tuyaux, il y a... Ah oui, je dois retomber parce que j'ai vu un petit changement. Voilà, on a changé la direction des tuyaux, je crois. Et c'est ça. C'est tout à fait ça. Nous sommes dans Mario 3D World, hein, les amis. Il y a des tuyaux invisibles. D'ailleurs, je vous ferai peut-être... Je sais pas pourquoi, j'ai pas trop envie de faire une vidéo sur Mario 3D World. Une vidéo test. Pourtant, je l'ai fini et tout, mais... Je sais pas, j'ai pas trop envie parce que c'est un Mario, quoi. C'est assez basique, on va dire. C'est... de la bonne plateforme. Mais qu'on connaît tous, quoi. Donc bon, on n'est pas trop pressé pour le vidéo test Mario 3D World. Bien sûr, je vous donnerai mon avis, hein, et tout. Je ferai un vidéo test quand même. Mais bon, je pense, on va patienter. Vous allez patienter un petit peu. C'est fini il y a très longtemps, pourtant. Mario 3D World, ça fait un moment que je n'y ai plus touché. Qui est très très fun en multi, hein. Très très fun. Comme là, je pense, hein. Jouer à 4 quand même simultanément, c'est assez sympa. Leur maman doit sûrement les pleurer maintenant. Leurs mères sont probablement des frigos ou des prises. Ok, vous avez vu quand même les phrases, hein. Hilarant. Ok. Où est-ce qu'ils sont, Sonic et Tails? J'espère bien que les autres ne s'attirent pas toutes sortes d'ennuis. Knuckles, t'avais la classe avant, tu. Tu pétais le style alors que maintenant. Non, en fait, tu fais un peu peur quoi. Ensuite, un triple axel, puis on tombe. Et boum, le tour est joué. Scan des formes de vie. Hérisson bleu non détecté. Ouais, mais on a déjà un équidné rouge. Équidné rouge inutile. Oh. Qu'est-ce que tu lui veux au hérisson bleu? Information top secret. Allez! Mauvaise humeur détectée. Réponse dans 3, 2... Le hérisson bleu est nécessaire pour arrêter l'Eric. Veuillez révéler l'emplacement du hérisson bleu. Et qu'est-ce qui nous dit qu'on peut te faire vraiment confiance? On va pas dire à n'importe qui que Sonic et Tails sont plus bas. Oh, le con. Énorme. Énorme. N'importe quoi. Et c'est à ce moment-là que je fais un jeu de mots du genre Docteur Eknaz. Ça fait toujours son petit effet quand je le dis pendant un combat. Prends-en bonne note. Ce qui est important, c'est qu'il puisse l'entendre. Sinon, ça tombe complètement à plat. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a qu'un seul moyen de le savoir. Oula, on court sur l'eau. Je commence franchement à aimer ça. Ils assurent les anciens. Reste avec moi. Ben dis donc, j'aurais jamais cru qu'on pourrait faire ça. Danger, droit devant. Action. D'accord, ce fail. Ah, une couronne bleue. Attention, c'est du freestyle. Attention, nous sommes à 1h12. Non, nous sommes à 1h13. Plus l'intro, 1h14. Un truc par là. Bon, mais je continue quand même. C'est pas bon, on n'est pas pressé, hein. On va continuer un peu. Cette vidéo sera un peu plus longue que la première partie. Je pense que je ferai une troisième partie également, et puis après on s'arrêtera. Et on fera bien sûr un vidéo test. Bon, même s'il n'arrivera pas tout de suite, hein, je vous préviens, pas comme Sonic Lost World. C'est parce que Sonic Lost World, j'avais tout préparé, alors que là... Je vais tout préparer largement avant.
Alors que là, je vais vraiment mettre les vidéos en ligne dès que possible. Donc le vidéo test sera bien plus tard, peut-être un mois plus tard, un truc comme ça. Enfin un peu d'action. Mais bon voilà, je pense que vous avez un bon aperçu déjà avec ces deux vidéos découvertes. Là, j'ai fait une nouvelle attaque. Attention, meilleur aperçu. Une espèce de piétinement ultime. Bon, mais en même temps, j'ai pas trop envie d'arrêter d'un coup parce que là, il se passe quelque chose quand même. Sonic, il faut que tu tourbillonnes pour ouvrir la porte. Là, il faut faire le spin dash. Spin dash. En attendant, Tails, il nous protège. Ça te dit de refaire une petite course sur l'eau. Sonic, on y va, on y va. Je pense qu'il faut descendre, mais j'ai un peu la flemme de descendre. Alors, mais de toute façon, il y avait un tuyau. Comme quoi, ils ont vraiment prévu. Ils ont vraiment tout prévu. Il est temps de ficher le camp d'ici, mon pote. On fait comment pour courir sur l'eau déjà? Sonic déteste l'eau, mais il peut contourner l'eau comme ça. On peut se servir de ça comme de rampe. Oula. J'ai fait un petit fail. Alors, donc dans cet épisode, on ne peut pas courir sur le mur, mais on peut courir sur l'eau. C'est bien déjà. Hein. Bon, je pense qu'à la fin de cette phase, la vidéo sera terminée. Faut faire quand même un peu attention, faut pas faire des fails. Car on a l'habitude des fails chez Oliver Flav, hein, Oliver Plasma. Sur la chaîne d'Oliver Flav, il y a beaucoup de fails. Avec Fireflav qui fait des fails dans Rome Total War. Ça, on a l'habitude. Alors, il prend des Romains contre des Gaulois. Et il perd. Ok. Encore une autre salle de maintenance? J'aime pas ce genre de salle. Les robots, ils sont toujours en pétard. Bon, voilà, vous aurez la suite dans la prochaine vidéo découverte de Sonic Boom. Et donc, sur ce, je vous dis à la revoyure pour de nouvelles aventures. Avec cette magnifique image. Attends, on va faire le spin dash pour la fin. Parce que c'est quand même classe. J'ai enfin trouvé comment faire le spin dash. Voilà. C'est... Qu'est-ce qu'il y a comme attaque spéciale, Tail? Ah, il balance Clang, le robot, hein, dans Ratchet et Clang, bien sûr. Qui s'auto-détruit. D'accord. Donc voilà, sur ce, je vous dis à la revoyure pour de nouvelles aventures. Et pour la prochaine vidéo découverte de Sonic Boom.